bataille des mouches à feu est une fiction. Un croisement entre mon âme et les morceaux de vie des hommes et des femmes que j'ai rencontrés, vivants ou ayant cessé de fumer. Mon écriture est un appel à la contradiction, à l'unicité, à la transmission. Je ne suis en aucun cas un porte-parole, simplement un passeur. Les porte-paroles inondent les ondes sonores, télévisuelles, les réseaux sociaux. Ils sentent toujours bon. Leur parfum est de synthèse, mais une illusion, un leurre, un piège de mort. Mon écriture pue, parce que l'amour pue. L'amour pue, James Baldwin. Je développe une écriture de combat. La bataille des mouches à feu est donc un roman, une urgence de vivre. Le récit de ma soif d'itinérance qui me construit depuis l'enfance, mêlé à la rage qui ne m'a jamais quitté. Ma rage, je la veux poétique, Pier Paolo Pasolini. C'est ce combat que je mène depuis toujours et que je vous donne à lire dans La bataille des mouches à feu qui vient de paraître aujourd'hui. De 57 kilos Muay Thai est déclaré vainqueur par arrêt de l'arbitre dans la troisième et dernière reprise, vainqueur